Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo concernant l'univers de Bloodborne, l'occasion de vous rappeler que mes recherches concernant le sujet d'aujourd'hui sont disponibles en description. Bien évidemment, vous êtes libre d'apporter vos propres éléments et de remettre en question les théories qui sont pour la majeure partie personnelles. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Enfin, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord sur lequel vous serez notifié de chaque vidéo et live sur Twitch. C'est sur le Discord que vous pourrez participer à des discussions et des sondages concernant mes vidéos et les jeux From Software. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. La première note que le joueur trouve dans le jeu est sans doute l'une des plus mystérieuses, même 6 ans après la sortie du jeu. Pendant la cinématique d'introduction, une personne que l'on appellera l'administrateur de la thérapie du sang fait au personnage une transfusion de sang. Une spécialité de Yharnam appelée la thérapie du sang. Le joueur se réveille à la clinique de USFK et juste à côté, posé sur une chaise, se trouve une note sur laquelle on peut lire « Phrase griffonnée, recherchez le pâle sang pour transcender la chasse ». Cette note est assez énigmatique et aborde des notions qui sont encore inconnues à ce stade de l'aventure. En effet, les mentions de pâle sang et de chasse sont tout à fait étrangères pour le joueur dès les premières minutes de jeu. Si on comprend le terme de « chasse » assez rapidement, celui de « pâle sang » restera une énigme. Alors, qu'est-ce que le « pâle sang » Le « pâle sang » est l'un des premiers mots qui apparaît à l'écran. En fait, après avoir sélectionné une nouvelle partie, le joueur a accès à une cinématique qui montre le personnage allongé sur le dos prêt à recevoir la thérapie du sang de Yharnam. L'inconnu chargé de nous faire la transfusion dit alors « Ah oui, du pâle sang. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. » Le ton donné à cette introduction montre 2 choses. La première est que notre personnage semble demander à l'administrateur de la thérapie du sang s'il sait où trouver le pâle sang, ce à quoi ce dernier répond « Ah oui, du pâle sang. Eh bien, vous êtes au bon endroit. » Mais il y a un problème. Nous sommes un étranger. Et afin d'accéder à notre requête, nous devons signer un contrat. La deuxième chose, c'est que, au vu de la réponse donnée par l'administrateur de la thérapie du sang de Yharnam, lui aussi semble savoir ce qu'est le pâle sang et où en trouver. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Une information qui se confirmera plus tard, avec Gilbert ou même Alfred. Ces 2 personnages nous diront que le sang est très important à Yharnam. Avant de revenir sur la note, parlons rapidement de Gilbert. Gilbert est un étranger tout comme nous. Voici ce qu'il dira au personnage lorsque ce dernier tentera d'en savoir plus au sujet du pâle sang. Du pâle sang, vous dites? J'ai jamais entendu parler. Mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. Malheureusement, Gilbert ne sait pas ce qu'est le pâle sang. On pourrait croire qu'il ne le sait pas parce que c'est un étranger. Mais lui aussi a eu recours à la thérapie du sang qui provoque des amnésies. Mais alors, pourquoi Gilbert ne sait pas ce qu'est le pâle sang alors que notre personnage, lui, le sait? Nous essaierons de répondre à cette question plus tard. Le chasseur que l'on incarne a pour mission de trouver du pâle sang. Et pourtant, il existe si peu de mentions dans tout le jeu sur ce qu'est le pâle sang. On en compte au total seulement 5, sans compter que certaines mentions sont inutiles car elles n'aident absolument pas le joueur à savoir où trouver cette chose qui lui permettra de transcender la chasse. Depuis le début de cette analyse, on parle de pâle sang comme si c'était l'un des 100 présents dans l'univers de Bloodborne. D'ailleurs, si on prête attention à la version originale japonaise, le mot pâle sang est traduit « sang pâle ». Entre guillemets. Quand je dis « entre guillemets », c'est qu'à chaque fois que ce mot est affiché à l'écran, il aurait dû être écrit « entre des guillemets », comme ceci.
La présence de Guillaumet n'est pas anodine et permet de renforcer le fait qu'on ne cherche pas forcément du sang, mais bel et bien quelque chose qui serait nommé pâle sang. En jeu, le joueur peut commencer à se demander ce qu'est le pâle sang lorsqu'il atteint Yargoul, le village invisible. En effet, dans le village invisible créé et géré par l'école de Mensis, le joueur trouve une note donnée par les messagers qui indique « Regardez, un ciel de pâle sang ». Cette note à elle seule doit réveiller chez le joueur un questionnement sur la nature du pâle sang. Si le ciel que l'on a sous les yeux est un ciel de pâle sang, alors le pâle sang ne peut pas être une substance liquide telle que le sang. Décomposons ce mot d'ailleurs, pâle sang. C'est un mot totalement inventé pour les besoins du jeu. C'est un mot qui ne signifie rien, même si on reconnaît deux mots différents, à savoir pâle et sang. Du sang de couleur pâle, blanchâtre, ou qui a peu d'éclat dans ses couleurs. Les joueurs de Bloodborne les plus observateurs savent que certains PNJ saignent du sang blanc lorsqu'on les frappe. Par exemple, la poupée dans le rêve du chasseur saigne du sang blanc, du sang pâle. De même, Willem à Birkenauer saigne lui aussi du sang pâle, ainsi que quelques créatures qui peuplent le monde de Bloodborne. La réponse serait toute trouvée pour le joueur cherchant la solution à cette énigme du pâle sang. Mais on est en train de se perdre là. Dans un premier temps, on pense qu'il s'agit de sang. Gilbert indiquera au personnage qu'il doit se diriger à la grande cathédrale. Puis arrivé à Yargoul, le joueur comprend que peut-être ce n'est pas du sang qu'il recherche. Cette partie, afin d'expliquer le premier terme de cette note, la chasse, risque d'être assez courte. Mais il me semble nécessaire de passer par cette étape pour bien comprendre cette note et le fonctionnement du monde de Bloodborne. Dans Bloodborne, la chasse est pratiquée par des chasseurs. Au départ, Yharnam devait être une ville comme une autre. Puis un jour, pour des raisons assez obscures, des monstres ont commencé à faire leur apparition. Très probablement à cause de la thérapie du sang de l'église du remède qui semble faire des expérimentations avec le sang afin d'élever l'espèce humaine au rang de grand. Mais je ne vais pas plus m'enfoncer dans le sujet pour l'instant. Suite à la multiplication de monstres, les chasseurs sont apparus dans le but de les chasser. German, qui porte le titre de premier chasseur, et celui qui a sans doute initié la contre-attaque contre les monstres. Voilà ce qu'est la chasse. C'est la réponse à la propagation de la maladie du sang cendré et du fléau du sang et des monstres qui frappent toutes les parties de la vie. Notre personnage, lui, devient un chasseur de manière assez inexpliquée et malgré lui. Il est, semble-t-il, choisi pour officier en tant que chasseur juste après avoir reçu la thérapie du sang. À partir de cet instant, que ce soit German, la poupée, Gilbert dans le centre de Yharnam, voire même Aileen, tous sans exception, reconnaîtront le personnage comme étant un chasseur. Et comme Aileen le dira si bien, « Une chasseuse doit chasser. » C'est là la seule utilité du chasseur. Mais ce n'est pas tout. En avançant dans le jeu, on apprendra que cette partie de chasse, ça fait un moment que ça dure. Certains personnages émettront même l'idée que ça dure depuis la nuit des temps. A dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter, depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. La chasse est donc quelque chose qui a lieu très fréquemment à Yharnam. Un événement décrit comme n'ayant pas de fin et qui se répète à partir de la tombée de la nuit presque chaque jour. Tout ça c'est bien, mais ça ne répond pas à notre question initiale. Qu'est-ce que le pâle sang? Une possible réponse se trouve dans une interview de Miyazaki, le président de From Software et le directeur du jeu. Voici la question du journaliste. Dans ce jeu, le héros est invité à suivre une note disant rechercher le pâle sang pour transcender la chasse. Le terme pâle sang est vraiment peu utilisé par la suite. Ce à quoi Hidetaka Miyazaki répond. Oui, j'avais envisagé de rendre cela plus facile à comprendre, mais on a fini par accepter de continuer avec cette idée-là. Je pense qu'il y a deux manières différentes d'interpréter pâle sang ici. L'une
et la couleur du ciel après avoir vaincu l'araignée stupide lorsque le rituel secret de Mency s'est révélé. Le ciel est d'un bleu très pâle, comme un corps vidé de son sang. Je crois qu'il y a aussi un message à Yargul, le village invisible qui fait référence à ce ciel. C'est avant que vous vous fassiez kidnapper. Vous ne savez pas encore ce que cela pourrait signifier. Ensuite, après le rituel, vous pouvez regarder de nouveau ce ciel et vous comprenez. C'était mon intention en tout cas. Mais je dois admettre que c'est probablement un peu difficile à comprendre. Mais dans tous les cas, cela conduit à l'interprétation selon laquelle rechercher le pâle sang fait référence à la découverte de ce rituel et à son interruption. Le journaliste insistera avec une deuxième question. Ce n'était donc pas une référence au sang de Grand ? Ce à quoi Hidetaka Miyazaki répond. Oui, c'est une autre interprétation. Pâle sang est un autre nom pour le monstre qui vient de la lune sous certaines conditions. Je pense qu'il y a un autre message dans le centre de conférence qui fait allusion à cela, mais je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je veux laisser la place à l'imagination, à la fois la mienne et celle des joueurs. Comme on vient de le voir, Hidetaka Miyazaki reste assez évasif sur le sujet puisqu'il veut laisser les joueurs imaginer ce à quoi fait référence le pâle sang dont nous parle le jeu. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant dans le déroulement de l'interview. Dans un premier temps, le journaliste de Future Press lui demande quelle est la signification de cette note. Et Hidetaka Miyazaki répond assez simplement qu'il s'agit du ciel qui est visible à Yargul après la mort de Rome lorsque le rituel secret de Mency s'est révélé. Il le dit clairement dans son explication. C'était mon intention. Son intention était de faire croire aux joueurs que le pâle sang c'était du sang, mais qu'une fois arrivé à Yargul, après la mort de Rome, de faire que le joueur comprenne, en regardant le ciel, que le pâle sang c'était en fait la couleur du ciel après avoir vaincu l'araignée stupide lorsque le rituel secret de Mensis est révélé. Le ciel est d'un bleu très pâle, comme un corps vidé de son sang. Ensuite, après le rituel, vous pouvez regarder de nouveau le ciel et vous comprenez. C'était mon intention en tout cas, mais je dois admettre que c'est probablement un peu difficile à comprendre. Et il termine sa première intervention par « Mais dans tous les cas, cela conduit à l'interprétation selon laquelle rechercher le pâle sang fait référence à la découverte de ce rituel et à son interruption. » Après cette première réponse de Miyazaki, le journaliste lui demande si ce n'était pas censé désigner du sang de Grand. Et là, Miyazaki devient plus évasif. En donnant une réponse plus courte, avec beaucoup moins de détails, on dirait qu'il essaie de brouiller les pistes. Sa première explication, longue, détaillée et très claire, avec des comparaisons de corps qui sont vidés de leur sang, montre un désir d'explication, vu qu'avec la question du journaliste, Miyazaki comprend très bien que son intention de créateur n'est pas claire et n'a pas été comprise. Donc, à la question que je posais plus tôt dans cette analyse, à savoir qu'est-ce que le pâle sang, si on en croit cette interview, on peut désormais dire qu'il s'agit du ciel à la couleur bleue provoquée par le rituel de Mensis. Le ciel avec la lune rouge qui présage de l'arrivée d'un grand afin de féconder une humaine et qui fera qu'un ventre accueillera un enfant. Le pâle sang, ce n'est pas directement la lune rouge, mais le ciel bleu quand il y a la lune rouge, une nuance importante. Le sang blanc qui sort du corps de la poupée, de Willem, de Rome, des Brietas et sans doute d'autres ennemis dans le jeu, comme les Brainsuckers, n'en définitive rien à voir avec le pâle sang. Par ailleurs, ce sang-là, on le trouve partout. Ce n'est pas pour autant qu'on transcende la chasse. Tout cela n'est fait que pour brouiller les pistes, tout comme le fait de nous faire croire qu'il s'agit bien de sang. From Software brouille les pistes afin de laisser plusieurs voies d'interprétation aux joueurs, tout comme Miyazaki, selon moi, essaie de brouiller les pistes dans cette interview lors de la seconde réponse qu'il donne sur ce sujet. Intéressons-nous un moment sur la structure du jeu. Comment fonctionne Bloodborne, toujours vis-à-vis de cette note de la clinique de Yosefka. Le personnage est allongé à la clinique de Yosefka, et avant de signer un contrat et de recourir à la thérapie du sang de Yharnam, qui provoquera une amnésie, il évoque le pâle sang. Ce moment est très important, puisque ça indique que le personnage sait ce que c'est
le pâle sang, avant d'être amnésique. Enfin, il ne sait peut-être pas ce que c'est exactement. Mais il a au moins déjà entendu parler du pâle sang et il sait que c'est le but de sa quête à Yharnam. C'est ce qu'il recherche. Ce à quoi l'administrateur de la thérapie du sang répond que le joueur a de la chance d'être à Yharnam, car la thérapie du sang le guidera. Juste après la thérapie du sang, on se réveille et on voit cette note sur une chaise. Ensuite, le joueur approche du centre de Yharnam, là où a trouvé refuge Gilbert, un étranger à qui le personnage demandera une nouvelle fois s'il sait où trouver ce fameux pâle sang qui nous permettra de transcender la chasse. Gilbert n'a jamais entendu parler de pâle sang. Il pense même que l'on cherche du sang. Et donc, il nous indique naturellement le siège de l'Église du Remède, l'institution qui a créé la thérapie du sang et qui fait des recherches sur le sang. Le personnage continue sa progression dans Yharnam pour atteindre la grande cathédrale dans le faubourg de la cathédrale et trouve la vicaire Amelia en train de prier le sang ancien pour pouvoir entrer en communion. Suite à ça, dans la structure du jeu, le terme pâle sang disparaît presque totalement. On peut aller à Yargul, le village invisible, pour voir cette fameuse note qui parle du ciel de pâle sang. Mais encore faudrait-il mourir d'un certain type de créature bien spécifique, c'est-à-dire les kidnappeurs. Si le joueur rate cette première opportunité d'aller à Yargul en se laissant kidnapper par l'une de ces créatures, il faudra attendre la défaite de Rome pour se rendre à Yargul, le village invisible de l'école de Mensis. Cette fois-ci, le passage à Yargul est obligatoire et fait partie de la narration du jeu. La dernière mention du pâle sang est au centre de conférence au premier étage. L'accès à cette note se fait après la visite de Yargul sous le ciel de pâle sang. Cette note indique que Lorenz a déjà invoqué l'entité lunaire et la note se termine par le mot « pâle sang ». Difficile de savoir de quoi parle cette note, vu qu'il n'y a aucune phrase ou contexte autour. Simplement, elle se termine par le mot « pâle sang », rien de plus. La recherche du pâle sang disparaît peu à peu du jeu, pour laisser place à la chasse. Et sans doute, en découvrant le jeu, le joueur, happé par l'univers de Bloodborne, oubliera lui-même pourquoi il a atterri à Yharnam dans un premier temps. Il chassera des monstres, encore et encore, comme enivré par le sang, et parce qu'après tout, comme le disait Eileen, un chasseur doit chasser. Voici la version originale de la note de la clinique de Josefka. Ce que l'on peut remarquer déjà, même si l'on ne parle pas un mot de japonais, c'est la présence de crochets. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais les crochets en japonais sont l'équivalent des guillemets. Et le mot entre ces crochets, c'est le mot qui désigne le pâle sang. On ne doit pas rechercher du sang pâle, mais une chose qui a pour nom pâle sang. C'est pourquoi les crochets apparaissent en japonais et c'est pourquoi en français, les guillemets devraient aussi apparaître. Cela dit, ce n'est pas la seule différence entre la version française et japonaise. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 23 de la Run Histoire, mais l'entête du message change également. La traduction finale a perdu plusieurs nuances et affiche un simple phrase griffonnée. En japonais, on a tout autre chose. Les premiers kanji indiquent la notion de soi, et plusieurs sources de traducteurs sont unanimes. La note semble avoir été écrite par nous-mêmes, de notre propre main. Donc ce serait le personnage lui-même qui aurait écrit cette note pour lui-même. Le souci, et oui, sinon ça serait trop facile, c'est que certains traduisent l'entête de cette note de la manière suivante. Une note laissée par quelqu'un pour lui-même. Et le problème, c'est que ce soit dans la première traduction ou la seconde, rien n'indique directement que ce soit le chasseur lui-même qui a écrit cette note. Ce n'est pas directement écrit, cette note a été écrite par vous, en gros. C'est plus énigmatique et subtil que cela. Mais la déduction et la logique voudraient que ce soit le joueur qui a écrit cette note. Qui aurait pu l'écrire si ce n'est pas le joueur lui-même, qui sait avant même que l'aventure débute qu'il lui faut trouver le pâle sang. Les seules autres personnes qui savent ce qu'est le pâle sang semblent être les érudits de Birkenwerth. Mais même si le chasseur n'est pas clairement identifié comme l'auteur de cette note, quelques indices portent à croire que c'est lui qui l'aurait écrite. Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, avant de commencer le jeu, le joueur cherche du pâle sang.
C'est lui qui demande à l'administrateur de la thérapie du sang s'il sait où trouver cette chose. Donc, il connaît l'existence du palsang, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'univers de Bloodborne. Ensuite, on sait que la thérapie du sang a amené le personnage à l'amnésie. Il ne peut donc pas identifier qui aurait pu écrire cette note. Et certains, d'ailleurs, traduisent cette en-tête de note autrement. Eh oui, décidément. Le joueur reconnaîtrait l'écriture sans savoir à qui elle appartiendrait. Sauf que le joueur ne connaît aucun autre personnage. L'écriture qui lui semble si familière ne pourrait appartenir qu'à une seule personne, lui-même. Mais que pense la communauté Bloodborne du palsang et de cette note de la clinique de Yosefka? On va commencer par l'idée selon laquelle le palsang, c'est la présence lunaire, puisque c'est la plus logique. Et aussi la plus répandue, je pense. Rechercher le palsang pour transcender la chasse, beaucoup assimilent palsang au boss final du jeu qui est la présence lunaire. La raison à cela est simple. Le mot des messagers de Yharghoul, regardez un ciel de palsang, leur indique que c'est un ciel qui symbolise l'arrivée d'un grand et que le seul grand qui descend du ciel et qui permet de conclure l'aventure, c'est la présence lunaire. Je pense que l'explication est là. Tout simplement. Comme on l'a vu, Miyazaki lui aussi donne cette explication en second lieu. La deuxième interprétation du mot palsang, c'est le sang blanc de certaines créatures ou personnages. Là encore, c'est plutôt logique, puisque la chose désignée par le palsang de par son étymologie fait penser à du sang de couleur pâle. Dans le jeu, plusieurs grands que le joueur affronte saignent du sang de couleur blanche. Rome et Ebrietas en sont de parfaits exemples. On pense alors que le sang blanc était le sang de grands. Problème, Amygdala, Ebrietas ou même la présence lunaire elle-même, qui sont aussi des grands, saignent du sang de couleur rouge. Pour la présence lunaire, c'est embêtant, sachant que c'est censé être elle, le pâle sang, selon certaines théories. Donc, pas tous les grands saignent du sang rouge. On a alors parfois cherché à justifier que certains grands n'étaient possiblement pas véritablement des grands, mais des anciens humains ayant évolué en grands. Sauf que là aussi, les théories peuvent être facilement contrées avec le contenu du jeu. Puis, il y a d'autres ennemis, comme les êtres cosmiques ou l'émissaire céleste, les brainsuckers ou encore des personnages non-joueurs comme la poupée, qui saigne du sang blanc. Quoi qu'il en soit, le sang blanc n'est ni du sang de grand, ni le pâle sang, si on en croit Miyazaki et son explication très précise et détaillée du terme pâle sang. Cette théorie est également alimentée, je crois, par le fait que le comique, qui se passe dans l'univers de Bloodborne, assimile clairement le mot pâle sang avec le sang blanc. En effet, dans le comique, cela apparaît on ne peut plus clairement. Et donc les lecteurs du comic peuvent penser avoir trouvé la réponse vu que c'est un comic de Bloodborne, c'est un produit officiel, ça devrait venir compléter l'histoire ou apporter des réponses qu'on n'a pas dans le jeu. Pas vrai? Non. Et j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. Le comic est officiel. Les droits ont été signés et les personnes font le comic avec l'aval de Sony. Mais les scénaristes du comic ne sont pas du tout les mêmes que ceux du jeu. Le comique n'est qu'une interprétation de plus, mais en rien il ne doit être pris en compte dans l'explication de l'univers initial du jeu, celle créée par l'équipe de From Software. Je ne vais pas répéter ici tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir, mais pour s'en assurer, rien de plus simple. Vous pouvez faire le test chez vous, regardez la couverture du comique de Bloodborne, en scénariste nous avons Alex Scott. Quant au jeu, dans les crédits de fin, Alex Scott n'apparaît nulle part. From Software n'a pas travaillé sur le comic. Et les auteurs du comic n'ont pas travaillé sur le jeu. C'est aussi simple que cela. Et de toute façon, pour enfoncer le clou, il n'y a qu'à voir que selon le scénariste du comic, Alex Scott, le pâle sang, c'est le sang blanc qui coule dans les veines de certaines personnes pour se rendre compte que c'est une interprétation de l'histoire du jeu, puisque Miyazaki lui-même dans l'interview n'évoque jamais la possibilité que le pâle sang puisse être du sang blanc.
Il explique encore une fois, clairement, que le pâle sang, c'est la couleur du ciel accompagnée par la lune rouge lorsque le rituel de Menzies est interrompu. Enfin, une dernière idée pour contrer l'argument comme quoi le sang blanc serait en fait le pâle sang, il suffit de regarder le jeu. Plusieurs créatures saignent ce type de sang, et même la poupée. On l'a trouvé notre pâle sang, et ce dès le début de l'aventure, sans même sortir du rêve du chasseur. Certains dans la communauté de Bloodborne pensent que le pâle sang c'est le sang recherché par l'église du remède pour soit évoluer en grand, ou soit soigner le fléau du monstre. Nous avons les deux versions. On peut difficilement contrer cette théorie même s'il subsiste des points discutables. Dans le jeu, l'église est présentée sans scrupules, surtout dans le DLC avec leurs recherches dans leur laboratoire. Il n'y a pas grand chose pour contrer cette théorie. Elle est plutôt intéressante vu qu'elle place l'église en tant que sauveur et non en tant que bourreau, même si elle est difficilement défendable. On se souviendra des chasseurs à la tenue noire de l'église du remède, qui chassent aussi bien les monstres que ceux suspectés d'être infectés. Niveau sauveur de l'humanité, on a connu mieux, pas vrai? Tout au long de cette analyse concernant cette première note du monde de Bloodborne, on a regroupé les contenus officiels et non officiels afin de trouver un sens à ces mots. Une question subsiste néanmoins. Comment le personnage sait pour le pâle sang? C'est vrai, dans l'introduction, il semble demander à l'administrateur s'il sait où en trouver. Mais d'où lui vient cette information à la base? À cela, on peut apporter encore une fois des pistes de réflexion. Yharnam est connu pour sa thérapie du sang. On peut imaginer cette ville comme assez connue et des étrangers tels que le personnage ou même Gilbert viennent à Yharnam pour se faire soigner. Donc, des gens de l'extérieur ont entendu parler de la fameuse thérapie du sang de Yharnam qui soignerait toutes les maladies. Se pourrait-il que certains aient entendu parler de pâle sang? Un problème à cette théorie, Gilbert, lui, ne sait pas ce qu'est le pâle sang. Ou alors, il le savait, mais il a oublié à cause de l'amnésie provoquée par la thérapie du sang. Serait-il possible que notre personnage n'en soit pas à sa première chasse au moment où l'on prend le contrôle de ce dernier pour la première fois? Il aurait alors entendu parler de pâle sang lors d'une précédente chasse à Yharnam, et lorsque le jeu commence, il aurait déjà vécu une ou plusieurs chasses. On sait bien que ce phénomène de la chasse est récurrent à Yharnam. C'est une habitude. Le personnage connaîtrait donc les risques d'amnésie de la thérapie du sang qui le plonge dans le cauchemar des monstres et du sang, et pour éviter de perdre de vue son objectif principal, il aurait écrit cette note et l'aurait déposée non loin de la table d'opération sur laquelle il a l'habitude de se réveiller. Des indices dans le jeu montrent que certains chasseurs se souviennent de leur passé. Eileen semble se souvenir qu'elle rêvait, et même de la poupée qui habite dans le rêve du chasseur. « As-tu encore des rêves ? Dis à la petite poupée que je lui passe le bonjour. » Eileen, le corbeau, est une chasseuse, qui a vécu la même expérience que le personnage, vu que, elle aussi, elle est devenue une chasseuse et qu'elle a eu accès aux rêves. Ça veut dire que les messagers ont dû la choisir, elle aussi. Elle a donc dû subir, elle aussi, la thérapie du sang. Pourtant, même après s'être échappée du rêve, il lui reste des bribes de mémoire, assez en tout cas pour montrer un certain dédain envers la poupée. Jorah, quant à lui, défend les monstres du vieux Yharnam, avertissant le joueur qu'il ne rêve plus, et il a donc des souvenirs de lorsqu'il rêvait encore. « Très bien, je ne rêve plus, mais j'étais un chasseur autrefois. Il n'y a rien de plus terrible qu'une chasse. » L'amnésie semble donc partielle, même si rien ne peut servir à confirmer que le joueur connaît le mot pâle sang d'une précédente chasse. Il me semblait intéressant de souligner ces derniers points avant de conclure cette analyse. Encore une fois, malgré de nombreuses recherches, on voit bien que Bloodborne regorge encore et toujours de mystères et d'énigmes à percer. Il ne tient qu'à notre volonté de rester sur le bon chemin en utilisant les maigres preuves que propose le jeu dans le but de ne pas nous perdre dans la folie de la compréhension de l'histoire de Bloodborne. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que tous les liens sont disponibles en description, que ce soit pour lire mes recherches sur le sujet d'aujourd'hui, pour nous rejoindre sur Twitch ou sur le Discord.
Si cette vidéo vous a plu et semblait utile à la compréhension de l'univers de Bloodborne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ainsi qu'à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos sur la chaîne. Encore une fois, merci, je vous souhaite un bon jeu, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao !